qui le met en joie. Dans un film. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Merci de t'en être occupé. Enfin, allez, à plus tard. Moi? Non, tout. Tout. C'est génial. Et vous n'êtes pas. Ce serait bizarre de voir Ethan. Et moi, je suis en vidéo, wesh! C'est pas correct. Ethan, dégage-toi. Pourquoi? Je filme la télé. C'est ce qu'on appelle Mathis qui passe devant la télé. C'est ce qu'on appelle être invisible. Je vois ta tête là. Mais bouge, gamme, wesh. Mais c'est qui a fait ça? Mais Mathis! Mathis! Économie d'énergie! Regarde! Putain, j'ai envie de buter. Je sais pas trop. Ah, putain, on va zoomer sur tes beaux petits monosourcils. Regarde, regardez-moi. Ah, moi de là. Hop là. Culé! Regarde la petite télécommande. Hop là, on la casse. Et Tad, si tu montes la télécommande, ils peuvent te pirater la télé, quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai. C'est Qu'est-ce qu'il raconte, débile? Mais par contre, t'as fait quoi avec la télé là? Écrit mon ami Adèle. Mais putain, mais tu l'as éteint! Ouais, c'est un nouveau. Ah ouais, tête 2. Mais il l'a éteint! Quoi? Tête 2. Bite. Ah ouais, allez, mon gros, vas-y. Hein? Pas grosse. Allez, gros pot, il a dit! Gros, il a dit. Ta gueule. Hein. Y'a ta mère qui arrive aussi. Bah non. Il faudrait qu'elle sonne. Eh merde. Oh là, les clés. Il faut pas qu'elle sonne parce qu'il y a une genre de clé. Il y a trop de neige. Je vais pas réussir à nous sortir de là. Moi aussi, t'as pas les roufettes, frère. Moi, 43 degrés. Au fur et à mesure, la nuit glaciale s'installe sur les routes gelées. Aussi pour faire du bruit. On est complètement bloqué. Il a pas envie. Et les routiers échoués ou leur chance de survie diminuée. Il faire longtemps. C'est un vrai cauchemar. Mais quand t'étais même pas né, il voulait le faire. À 3 ans aussi. Pareil. Pour la vie, tout vient de la survie. C'est trop bien. Alaska, tout de suite, sur RMC. Yes. Alaska, c'est trop bien. C'est maintenant? Ouais. Apparemment. Oh. Ce soir, oh la casse, je regarde. Casse. Camille. Imaginez 15h36. Et au milieu, la perle rare. Maman, elle vient de chasser. Bien qu'elle était faite pour moi. Un rêve d'enfant dont on ne peut plus se passer. Je touche tes collègues. De quoi je touche tes collègues? On comprend pas ça. Je t'ai collé. Je chope tout ce soir. T'as collé. Oui, c'est bizarre là. Le spécialiste de la pièce auto d'occasion, sélectionné et garanti par des professionnels. Avec les barrières, ça redémarre. Non, je ne suis pas parti. Avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés. Je ne suis pas parti. Ce week-end sur RMC Découverte. À Londres, un certain Nicholas Winton, jeune banquier de la City, boucle ses valises. Non. Destination Prague. Ce gentleman est venu à Prague. Il pouvait s'arranger pour que les enfants en danger soient emmenés en Angleterre. Taken to England. S'il y a quelqu'un dans le public qui doit la vie à Nicholas Winton, levez-vous s'il vous plaît. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. D'habitude, on peut traverser sans problème. Mais vu comment il fait froid, c'est beaucoup plus dangereux. Je m'en fous, quand on sera grand, finalement, on va aller à l'Alaska. Peut-être Ethan, c'est bien. Et lui, il va mourir direct. Il va sortir un bleu, il va dire « Oh, l'Alaska !» Camille, appelle. Posez l'orteil. Qu'est-ce que tu dis, toi, là? Et moi, de toute façon... Moi, quand je serai plus grand, si j'ai pas de meuf, j'habite tout seul avec un pote, je sais pas. Moi, j'habite, logiquement, j'habiterai avec Kylian. Moi, j'aurais une meuf. T'es une meuf, qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est possible, en vrai. Bon, ouais. Et vous pouvez lire, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Frère, ta gueule. Ta gueule. Ma chute. Le ruisseau est gelé. Ça craint. On doit absolument accéder à l'eau.
Par contre, c'est pas pour les enfants, ça. Je dis ça dans ta vidéo. Ouais, je sais. C'est pour ça que je vais mettre un moins de 18 ans. Moins de 10 ans. Non, moins de 7 ans. Stabilise-le, c'est très dangereux. Mais c'est bon, elle a raison. Ta gueule. Moins de 1 an. Moins de 1 seconde. C'est un peu limite, il y a beaucoup d'eau sur la glace. On n'a pas le choix. C'est un peu normal, non? Vas-y, George. Crac, ça glace. Ça claque. Ça claque. Ça claque. Je pensais pas un match que tu connaissais, c'est... Ça ? Ouais. Mais bien sûr, mais j'ai... Avant que t'aies été née, je connaissais. Hein. Ça existait pas. Tu as atteint les moins 29 degrés Celsius. Ouais, mais ça devait être éclaté, alors. Ça devait être éclaté. C'est notre petite marche quotidienne jusqu'au point d'eau. Il y a plus ils vont collecter l'eau dont ils ont besoin pour les jours à venir. J'espère que tu vas partir. On aura un système d'eau courante. Mais pour l'instant, on doit toujours la puiser dans la rivière. Oh, il s'est passé quelque chose ici. Ouais. Il part du... On a de là-bas. Un trou de 60 cm par 60 avec un hein? Couvercle qui consiste en un tamis métallique et des sacs de toile. Ils arrivent là. Et on dispose de la... Oh, bah ça va alors, mais vous pourrez rester quand même. Ils ont pas dit 5 heures, Camille, au lieu de 15 heures. L'eau a dû remonter et emporter. J'ai dit quelques heures. Et comme il a fait très froid hier soir, ma reine, elle la glace est reconstituée. Mais les gars, vu que je peux montrer ma tête sur TikTok, je peux la montrer sur YouTube. L'an dernier, on n'a pas eu de problème avec le point d'eau. Non, mais peut-être que c'est eux c'est con. Non, non. Mais là, on va vraiment devoir trouver une autre solution. Je sais pas. Il m'a posé la question. C'est entre 90 et 110 litres d'eau par jour. Donc c'est déjà quelques litres d'eau par jour. T'en vas les chevaux, 40. On doit vite résoudre ce problème. Je crois pas. On a qu'à se relever les manches et construire directement une caisse de captage. Non, mais faut que j'en mon téléphone, on regarde sur la télé. C'est plus beau comme ça. Et t'as ah t'as plus rien. Et t'as, 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 t'as de filmer.